Hey yo les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je retourne depuis trois fois la vidéo parce que j'ai quelques petits problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi et vous dire pourquoi. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Halo Infinity. Donc normalement on devait être sur The Crew 2, sauf que The Crew 2 est en bug total. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des mises à jour qui sont automatiquement, il y en a qui se font pas, et The Crew est un des jeux qui se fait automatiquement. Donc pour le moment je sais pas trop. Donc on se retrouve sur Halo Infinity. Alors pour vous expliquer pourquoi je tourne, ça fait 3 voire 4 fois. Donc la première, mon micro, parce que j'ai un nouveau casque, que j'essaye tant bien que mal. Donc c'est un Dragon C29 pour ceux qui souhaitent savoir ce que c'est comme marque. Et je trouve que franchement il a un bon son, il a un bon micro. Sauf que le micro marche que sur ma Xbox et je ne peux pas enlever ce micro. Donc le micro qui est juste là, et je voulais modifier pour avoir ce casque là. Je me serais dit, comme ça, ça aurait été mieux. J'aurais au moins une double piste avec le casque et machin. Sauf que le micro ne veut pas marcher sur l'ordinateur. Donc pour le moment, je suis encore avec le micro. Le casque qui marche, hein, mais je sais pas pourquoi. Donc sur Infinity, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à mettre la cloche. Ça ferait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint. Cette vidéo, à la place de sortir vendredi, elle sortira samedi sur la soirée. Comme vous le voyez, donc il y a la campagne, il y a le multi et il y a l'académie et partie personnalisée. Bon, ça, on va pas trop y parler. On va parler surtout de la campagne et du multi. On va aller en campagne après. Le multi, je vous ferai pas de multi sur Infinity. Pourquoi ? Parce que je suis allé faire une partie, donc comme vous le voyez à l'écran, en haut à droite de ma barre, il y a la marquée saison 1, marquée 0-0, passe de combat premium disponible, parce que je pense que je l'ai, mais je sais pas si vraiment je l'ai vraiment, donc non, je l'ai pas, donc voilà. Le souci, c'est que j'ai rien compris au mode multi. Partie rapide, c'est partie avec des casse-couilles qui sont déjà avec des niveaux. Les gars, ils n'ont pas eu le temps d'aller en campagne ou quoi que ce soit. Ils sont allés directement en multi, voilà. Donc, il n'y aura pas de multi. À voir si vraiment je m'y mets et je me dis, voilà. Mais bon, vu qu'il y a Fortnite qui est sorti, je vous ferai peut-être des vidéos sur Fortnite aussi. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop. Mais on va aller en campagne, donc je clique dessus. Et pourquoi je vais en campagne? Parce que j'ai l'impression de me retrouver un peu comme dans Mass Effect, qui s'affichera à l'écran de chargement qui est juste là, juste à côté de ma caméra. Donc Mass Effect Infinity. Je l'ai même retéléchargé parce que vu que je m'étais dit qu'il faudrait que je le rejoue. Et c'est vrai que c'est un bon jeu, Mass Effect, qui est un monde ouvert ou quoi que ce soit. Et là, c'est pareil, donc on va parler un peu du monde ouvert. Je vous le conseille, que ce soit Mass Effect ou Infinity de Halo, d'Halo. J'en veux à Halo, moi. Mais ouais, je vous le conseille, qui est un bon jeu. Alors, c'est un peu dommage, parce que le mode campagne, c'est dommage. Je sais pas si on peut inviter des amis ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas si on pourrait inviter des amis ou quoi que ce soit. Et ça serait vrai que ça serait bien parce qu'il y a des moments je me trouve un peu coincé. Alors bon, on a des alliés bots, hein, des IA, que je vais vous montrer. Donc, faut que je change d'arme. Donc, on a donc deux bots. Alors à chaque fois, vous avez des bots un peu à droite, à gauche. Donc, vous avez des bots donc aux bases. Principal, donc les bases bleues, donc ici, j'en ai une qui est un peu plus haut et j'en ai une qui est juste là, donc c'est les bases avancées Bravo, Bravo Alpha, Echo, Foxtrot
et on en a une qui est juste là, golf. Avancer golf. Donc après, vous avez pas mal de petites choses à faire. Donc vous avez des points d'amélioration. Donc c'est les modules Spartan qui sont un peu à disséminer un peu à droite à gauche. Vous avez des artefacts à trouver un peu à droite à gauche. Alors bien sûr, ils ne sont pas marqués. Vous avez des statues de cible, donc à récupérer, à tuer, et vous récupérez une arme. Donc j'en ai déjà buté 3. Je vais vous montrer les armes que j'ai déjà récupérées. Vous avez des tours propagande. On a l'impression de se retrouver un peu comme dans les premiers comment Far Cry, les premiers Far Cry, bah surtout Far Cry 3 où il fallait monter aux tours de propagande, mais là c'est des petites tours et vous avez juste à balancer une grenade ou tirer dessus et ça les désactive. Vous avez donc des escouades qui faut sauver ou faut aider à protéger. Vous avez donc là c'est le jaune, c'est les missions principales. Ce qui est là, ce sont des armures Majorine, donc des textures de votre armure. Alors apparemment, c'est dans la dans les prom dans la dans la à l'accueil qu'il faut faire ça, mais j'ai pas trouvé comment il fallait ou quoi que ce soit débloquer ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, je sais pas trop. Pour le moment, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Vous avez des bases, donc des armurerie de jaugement, vous avez un peu à droite à gauche, donc qui peuvent être intéressantes. Donc une fois que vous les avez libérées, vous gagnez pas mal de petits XP. Vous avez donc l'armure, donc comme vous le voyez, donc j'ai déjà le grappin qui est déjà amélioré 2 fois. Le générateur de bouclier, je l'ai amélioré à fond parce qu'il fallait à tout prix l'améliorer à fond parce que c'est vraiment compliqué sur certains boss. Vous avez le capteur de menace. Alors le capteur de menace c'est pour voir les méchants. Et en fait en bas à droite de mon écran, comme vous le voyez, vous avez les armes. Donc ça c'est une arme de boss. Je vais vous le montrer autre façon au panneau. Et ça c'est la deuxième arme. Mais comme vous le voyez, vous avez les grenades et donc le grappin qui se débloque. Donc normalement, hop, il se recharge. La flèche de gauche, c'est pour changer donc tout ce qui est grenade ou quoi que ce soit. La flèche du bas, c'est pour regarder un peu le scanner. La flèche de droite, donc vous changez de machin et à partir de là, c'est un peu comme le grappin et vous avez un capteur de menace. Vous avez un capteur de menace qui fait que vous pouvez changer de vous pouvez savoir où ils sont. Surtout que la dernière zone, donc je vous montrais la zone qui est le plus au-dessus, il y avait des ennemis invisibles qui étaient qui étaient plutôt c'était mieux de les voir. Alors attendez, je change juste d'arme. Donc ça, ce sont les armes de boss. Donc ceux qui sont en rouge, ce sont les armes de boss. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai quatre. Ça, c'est une arme de boss. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est bien pour recharger. Attendez, parce que tout compte fait, je sais pas combien je peux avoir de balles. Sinon, j'ai un pompe, une mitraillette, des grenades et un petit pistolet. Bon, ça, c'est des armes basiques, on va dire. Voilà. Bon, apparemment, je peux pas recharger. Sinon, sur les améliorations, de toute façon, je peux pas améliorer parce que pour le moment, j'ai pas d'autres trucs. Au fil du temps, quand vous avez débloqué une zone ou quoi que ce soit, vous débloquez des bases avancées. Donc par exemple, là je viens de débloquer un autre Gugus qui a une armure un peu plus avancée. J'ai quand même pas mal de petits. Là j'ai assaut, des trucs comme ça. J'ai des véhicules qui ont été débloqués. Et au fil du temps, vous avez quelques petites choses qui se débloquent. Vous avez les cibles. Donc les cibles, c'est ce qui est marqué en rouge.
qui sont voilà qui ont été voilà tués par exemple. Bon bah là j'en ai trois, donc ils le mettent. Bon bah le reste par exemple voilà, donc j'ai déjà battu lui, donc on le voit, j'ai battu lui, c'est le premier à être tué. J'ai tué lui et j'ai tué lui. Lui était le plus simple, clairement. Voilà, lui c'était le plus simple. Les autres, ils sont soit avec une armure électromagnétique ou ils ont de la vie en extra. Voilà. Lui par exemple, lui je pourrais presque là, Bibberg, Bibbap, bah attendez, on va faire un truc. On va voir si je peux le trouver sur la map. Bibbap, non. Bibbap, bon bah il est là. Il est là, bah on va faire un truc. Voilà. Là j'ai une zone, donc la zone alpha, c'est celle qui est la plus avancée de toutes mes autres zones. Alors bien sûr, il y en a une qui est là, hein. C'est la zone principale quand vous arrivez sur le jeu. Mais on va aller buter ce monstre, comme ça après on ira peut-être à la zone principale ensemble. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je tourne en rond. Mais j'aurais bien voulu faire les zones secondaires, donc les trucs violets, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais je vais faire la tour avant. Mission. Voilà, voyage rapide. On va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps. J'espère qu'il n'y aura pas de bug au niveau du micro. J'espère qu'il n'y aura pas de bug au niveau du jeu. Parce que j'en ai marre de le tourner trois fois. Alors bon, là, je sais pas si vous, il fait beau. Alors je prendrai une photo. Pareil, j'en mettrai une là. Il y a de la neige chez moi. Ça a bien neigé. Aussi, vous avez donc la base de commande de véhicule. Donc là, c'est le premier véhicule que vous avez. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième que vous recevez. Alors, c'est marqué modifié, mais comme dirait l'autre, il n'y a pas vraiment de modification au niveau des machins. Alors, chaque bot a son arme de prédilection. Et voilà. Donc, la plupart, voilà. Là, il y en a trois. En fait, plus vous allez en libérer des zones, là par exemple, il y a trois personnes. Si par exemple je libère une zone là, je pense qu'il y en a un qui va se mettre là, et ainsi de suite. Mais je leur dis pas de me suivre, il y en a qui me suivent automatiquement parce que voilà. Mais voilà. Allez, c'est parti. Donc on va aller buter le. C'est quoi cette base là? Ah bah c'est la base rouge, c'est celle-là. C'est la base armure jugement, du jugement. Un habitant, les habitants, chance de réseau, combattant. Voilà, bon bah là, en plus de gagner, on gagne 100 points. Mais c'est pas ça que je veux, c'est ça là-bas. C'est le boss. Donc les zones sont quand même bien faites. Alors c'est un peu dommage que le grappin va pas si loin que ça. Bon, il n'y a pas de dégâts de chute, hein, clairement là. Voilà, vous pouvez faire des sauts. Le gars, il perd de la vie quand il veut, mais au niveau des chutes, c'est le gars qui craint rien, quoi. C'est un peu, je sais pas pour ceux qui connaissent un peu l'homme qui valait 3 milliards. Pareil, il faisait des. Bah, il courait super vite, mais il craignait juste pour son bras. Ah. Lui par exemple. Oh merde. Voilà. Franchement, les plus petits sont les plus faciles.
Lui, il faut que je me le fasse avant. Ils font super mal. Et punaise. Quand ils sont un peu loin, ça me gonfle. C'est qui me vise encore là? Voilà. Bon, il y a pas mal d'armes, hein. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal. Alors j'étais concentré, désolé, je disais plus rien, mais il y a pas mal d'armes, il y a des lasers, il y a des pas mal de petites choses. Il y en a qui font plus mal, il y en a qui font moins mal. Là par exemple, bon, c'est une nouvelle arme. Pas mal, mais moi j'ai ma petite préférence, c'est pour celui-là, il fait pas mal de dégâts. Donc ouais, pas mal. Bon, au moins on aura débloqué un peu la zone là. J'aurai un peu nettoyé. Alors je pas. Alors celui-là par contre c'est qui? C'est Tac 7. Voyons voir un peu les cibles. Tac 7. Tac 7. Oh d'accord. Ça c'est un truc qui se fout invisible. Et ça c'est chiant. Premier lancé, troisième élément de combat, ok, ouais, d'accord, ah, super. Par contre, lui, alors lui, c'est celui qui est tout au bout, très très loin. Et c'est une cible prioritaire, vu qu'il est première catégorie, super, merci. Ah bah lui, je le ferai peut-être pas pour le moment. Donc on va aller ici. Le souci, c'est que j'ai plus de... On va y aller avec cette arme là. Ouais. Oh bah c'est une petite. C'est une petite base, c'est pas une tour. Allez, c'est parti. Let's go. Moi je trouve. Alors, les véhicules, vous me verrez jamais conduire un véhicule dans ce jeu. Il est tellement compliqué. Ils sont tellement compliqués à conduire ces véhicules là. Alors je pense que c'est moi qui sais pas conduire, mais en fait le truc c'est que c'est fait tout au stick. Et le truc c'est que pour freiner c'est en arrière, pour tourner faut utiliser la caméra. Et ça c'est chiant quoi, ça c'est super chiant. Bon, allez, on va quand même tenter. Alors, comme vous le voyez, alors faut jouer vraiment tout à la caméra. Quand je tourne la caméra à gauche, la caméra tourne à gauche. Même le bot, il tourne la caméra.
C'est bien calme. Hop. Alors ça, ce sont des bornes de recharge. Alors chaque borne, alors il y a des bornes rouges, des bornes ben, jaunes, et il y a une troisième borne, je sais plus trop quoi, je sais plus à quoi elle sert. Ça, le sniper, alors là, celui-là, il est magnifique. Et c'est bien parce que pour au moins pour améliorer. C'est bien calme en extérieur, c'est clair. Ah, c'est pas moi qui jouis. Qui jouis? Qui jouis? Voilà, vous voyez mon IA. Donc, une IA qu'on a récupérée. Ah oui. On comprend mieux maintenant. Bah rien. Bon. Bon bah par contre là je suis désolé mais je peux pas couper le son. Ah, oh, tu débordes l'ennemi. Bon, il est où le dernier? C'est tout? Ah, je croyais que ça allait me mettre un. Ah oh, oui. Super. Pouvez pas commencer par directement détruire le générateur qui aurait été directement plus rapide. You. Ah, mais. Bon. Là, ça va être chiant. Je le sens.
Ou faut que je nettoie. De toute façon, faut tout le temps nettoyer. Faut tout le temps nettoyer. Bon, bah, les amis, je vais vous laisser là. Je pense que vous avez un peu compris le jeu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille vraiment en multi. Mais clairement, je pense pas parce que mode multi. Les gens, ils font que ça, je pense. Il y en a pas mal qui ont déjà des armures de type super élaborées. Moi, je suis que. J'ai même pas un niveau et je suis tombé. Pourtant, je me suis dit, oh, bah, les serveurs vont se régler un minimum sur les personnes qui n'ont pas l'habitude. Mais non, même pas. Donc voilà, merci encore. Passez une bonne journée et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Draxurvy.